Thierry. Il était comment, ce Thierry ? Sublime. C'est le plus beau garçon de 14 ans que j'ai jamais connu. Et toi, t'avais quel âge ? Moi ? 13. Ah, bon. Oh, ce que c'est bon de n'avoir rien à faire. Ouf. Délicieux. En fait, t'as vu Magali ? Oui, elle est là-haut. Elle se pomponne. Quoi, elle se pomponne ? Mais on avait dit qu'on passait la journée à rien faire. Tu la connais. Une journée de cocooning, d'accord. Traîner et ne rien faire, d'accord. Mais de là à ne pas s'occuper de son corps... Ah, ça. Ah, tiens, justement, quand on parle du loup. Alors, cette douche ? Ah, cette eau chaude qui vous caresse la peau pendant des heures. Je serais bien restée, mais j'avais peur de vider le bain. T'aurais pu. Nous, on est très bien comme ça. On n'a pas envie de bouger. Ah, vous allez même pas vous laver ? Certainement pas. Règle number one du cocooning, ne jamais se laver. En tout cas, on va passer une merveilleuse journée à ne rien faire. Oh non ! Mais t'inquiète pas, ça, Gérard. Je l'ai invité à passer une journée de cocooning entre filles. Salut les copines. Salut Gérard. Ça va, je suis pas trop en retard. Mais non ! Règle number two du cocooning, ne jamais stresser sur les horaires. Tu as raison. Salut Fanny. Salut Gérard. Tu m'excuses, je me lève pas, mais tu comprends. Bien sûr. Salut. Bonjour Magali. Fais attention, je pique. Je me suis pas rasé ce matin. D'ailleurs, ça me fait tout drôle. Les filles, c'est drôlement sympa de m'avoir invité à venir coucouner avec vous. Et vous savez, ce sera ma première expérience, alors... Tu vas voir, une journée comme ça, ça te recagne pour toute l'année. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Vraiment ? Ben, non, rien. Absolument rien. On ne fait absolument rien. On se laisse aller, c'est tout. Ah, on bouge même pas d'ici. Gérard, réfléchis. Oui. Cocooning, ça vient de cocon. Ah. Le secret, c'est de rester dans notre cocon toute la journée. Ah, d'accord. Super. C'est un petit peu comme les vers à soie, alors. Oh, quand j'étais petit, moi, j'en élevais plein. Parce qu'ils étaient mignons. Mais maman, c'est d'ailleurs une rare fois où on s'est disputés tous les deux. Elle les trouvait moches. À propos, je suis pas trop laid, moi, avec ma barbe. Mais non, t'inquiète pas, tu fais très mode. Tout de même, un peu viril. Non, t'inquiète pas. Tant mieux. Et les enfants, qu'est-ce que vous en avez fait ? Wendy et David sont chez leur grand-mère, en consigne. Vincent chez un copain. C'est la mère qui s'en occupe. Eh bien, moi, j'y vais. Tu vas où, toi ? Moi ? Je vais faire un masque au yaourt fraise, concombre et banane coupée. Il paraît que c'est super contre les rides. Quoi ? Tu vas trancher des concombres et éplucher une banane pour te faire un masque ? Oui, pourquoi ? Mais enfin, Magali, on avait dit qu'on ne faisait rien aujourd'hui, qu'on se détendait. Écoutez, les filles, moi, de m'occuper de mon corps, ça me détend. Oh, je la comprends. Je suis tout à fait comme elle. Alors, tu vois, Magali, moi, ce que je préfère, c'est... Alors, c'est quand je m'épile les jambes. Bon, après tout, tu fais ce que tu veux. Bon, où j'en étais, moi ? Oh, oh oui, Thierry. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Elle revit toutes ses histoires d'amour depuis ses 13 ans. C'est son passe-temps favori. Elle arrive à s'en souvenir ? Quelle mémoire ! Et toi, là, qu'est-ce que tu fais ? Je replonge dans ma méditation. Je revis mes années 70. Love and peace, tu te souviens ? C'est-à-dire que les années 70, tu vois, j'avais à peine 10 ans, alors... Et alors, moi aussi ? Ça m'empêchait pas de porter des mini-jupes. Bon, mais alors, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Ah oui, je sais.
attention, Marc. Ah, excuse-moi, excuse-moi. J'ai 2000 photos à trier pour ce soir. C'est pas le moment de tout mélanger, là. Ok, ok. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? T'as 2000 photos à trier? Oui. J'ai un client très, très casse-pied, mais hélas, très, très important. Et tu vas les trier ici? Ben oui. T'as pas pu faire ça au studio? Ben non, un copain me l'a emprunté pour la journée. Il a une séance très, très importante à faire. Un copain te l'a emprunté et toi t'as dit oui? Eh ben, il y a vraiment des gens qui sont sans gêne. Ben Marc, c'est un très bon copain. Ouais, moi, j'avais pas de prise de vue prévue pour aujourd'hui, alors... Ouais. Eh ben, si toi, tu comptes te faire taper par tes copains sans rien dire, c'est ton problème. Je vois pas ce que ça change pour toi si je veux prêter mon studio, Marc. Ça change que j'ai du travail, ici, et que j'ai pas envie de t'avoir dans mes pattes toute la journée. Mais t'inquiète pas, j'ai tellement de travail que je vais pas bouger d'ici, hein. Je vais rester là, sans faire de bruit, je ne devrais pas te déranger. Ben, ça me dérange quand même. Parce que moi, pour travailler, j'ai besoin de la totalité du salon. Bon, d'accord, je vais m'installer dans ma chambre. C'est plus possible. Comment c'est plus possible? Ben, parce que je me suis servi de ta chambre et de la mienne pour entreposer les meubles. En attendant de finir le premier étage. Qu'est-ce que tu me racontes, Marc? Marc, c'est quoi tout ça, là? Ah, enfin, tu remarques quelque chose. Bah, ça fait plaisir. Parce que je te signale que depuis 8 heures ce matin, moi, je m'esquinte le dos à essayer de redonner forme à cet appartement. Marc, tu peux m'expliquer pourquoi tu as déménagé toutes les chambres là-haut? Pour la même raison que je vais déménager ce salon. Hein? Pour rendre cet appartement vivable. Mais il est vivable, cet appartement, puisqu'on y vit depuis 2 ans. Puisqu'on y vit, nous! Marc, je peux savoir qu'est-ce que tu rapproches à cet appartement? Regarde autour de toi. Ça pue le célibataire ici! C'est normal! On est célibataire! Et toi, tu veux le rester toute ta vie peut-être? Bah, pas moi. Hein? Non, mais oh, je verrai, hein. Mais écoute, Daniel, pour les femmes, on existe pour ce qu'on est, mais aussi pour ce qu'on projette. Tu vois? Non, pas du tout. Si t'es dans une belle voiture, que t'es bien habillé et que tu sens bon, bah t'as quand même plus de chances d'emballer que si tu te trimbales sur une mobilette, que tu pues la transpiration comme un chacal et que t'es habillé comme une tringle à rideau. Bah oui, 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 en principe. Et bah pour l'appartement, c'est pareil. Pareil que quoi? Que la voiture ou que la mobilette. Comprends? Non. Si on veut que les filles se sentent bien ici, il faut qu'il y ait un appartement agréable. Comprends? Non, mais c'est normal, parce que je suis anglo-saxon. Je vais faire plus simple. C'est quand même mieux, si on veut que les filles tombent amoureuses de moi, que l'appartement soit raffiné, sexy, élégant... Parce que nous sommes raffinés, sexy, élégants, nous? Bah, oui. Enfin, moi, oui. Et pour arriver à ça, tu vas tout déménager, c'est ça? Oui. D'ailleurs, ce serait gentil si tu m'aidais. Bon, écoute, Marc. Est-ce que tu pourrais attendre jusqu'à demain? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de travail. Non, c'est pas possible, je peux plus reculer maintenant. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude que tu me laisses tomber dans les grandes occasions. Je vais rebooker l'appartement tout seul. Et tu comptes séduire quelle fille en relouquant l'appartement? Bah, les voisines, bien sûr. Thomas. Oh, Thomas. Comment il était, celui-là? Plein de taches de rousseur. C'était adorable. Je me souviens, je m'amusais à les compter. C'est pour ça que maintenant, je suis devenue imbattable en calcul mental. Et t'es sortie avec un garçon qui avait des taches de rousseur? Bah oui, pourquoi? Bah je sais pas, moi, ça m'aurait déplu. Bah t'as tort. D'abord, il était très mignon, et puis ça pique pas, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté? Ils déménagent ou quoi? Ah, je ne sais pas, mais c'est vraiment insupportable. C'est vrai, on peut plus rêver tranquille, là. Ah, toi aussi, tu rêvais un rouquin? Thomas n'était pas rouquin, il avait juste des taches de rousseur. Les filles, c'est pas bientôt fini, ce papotage. Je voudrais bien faire un peu de méditation, moi. Allez, faites-en aussi, ça décontracte, on en a besoin en ce moment. Oui, eh bien moi, c'est le vernis à ongles qui me décontracte. Je devrais peut-être essayer.
Enfin, quand j'aurai fini de rêver. À quoi tu rêves, Gérard? Oh, si je vous le dis, les filles, vous allez vous moquer de moi. Non, allez, dis-le, dis-le. À maman. Hein? Tu rêves à ta mère, toi? Oui. J'imagine que je lui fais toutes les bêtises que j'ai jamais osé lui faire quand j'étais petit. Alors là, je me régale. Bon, j'y retourne. C'est pas possible, ce bruit! Non, mais j'en étais où, moi? Ah oui. Il faut la gratter dans son lit. Oh, oh puis là, ça la chatouille, là. Oh. J'en ai mis partout sur mes orteils. Non, ça suffit, hein. Bon, alors, après Thomas... Patrick! Ton ex? Non, un autre. J'ai toujours adoré ce prénom. J'ai voulu démarrer une collection, mais j'en ai eu que trois. Trois seulement? En mode Patrick, j'en ai eu... Oui. Alors, maman... Bon, ça va? Je peux, là? Je peux continuer à méditer? Merci. Mais c'est pas vrai! Ils ont ouvert un cabinet dentaire ou quoi? Mais non, ça c'est Marc! Mais oui, je reconnais très bien le bruit de sa perceuse! Bon, je prends les choses en main. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis arrivée à un niveau de méditation suffisamment élevé pour pouvoir prendre les choses avec calme et avec philosophie. J'y vais. Vas-y, Claire, te laisse pas faire. C'est vrai, on va pas se laisser gâcher un beau cocooning comme ça, tout de même. Non, puis surtout, dépêche-toi, parce que moi, j'ai besoin du calme absolu pour rêver à Patrick. Vous allez voir ce que vous allez voir. Méditation transcendantale, bah, bon entendre. Ah, bonjour. Bonjour, Daniel. Excusez-moi, mais tout ce bruit, ça vient bien de chez vous. Je suis vraiment désolé, hein. Marc, je t'avais dit que ça allait déranger les voisines. Ah. Il n'entend rien. Je vous en prie, entrez. Merci. Je m'en occupe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est Marc. Il a décidé de refaire l'appartement. Et je suis vraiment désolé. Je sais, c'est insupportable, tout ce bruit et désordre. J'ai tout essayé pour le faire changer d'avis. Il n'a rien à faire. Et vous croyez qu'il en a pour longtemps? Ne vous inquiétez pas, je vais l'arrêter. Mais non, non, laissez-le continuer maintenant, avec tous ces travaux. De toute façon, moi aussi, j'ai pas mal de travail à faire. Un truc à livrer ce soir, et là, je peux rien faire. Ah ben, j'ai une idée. Venez chez nous à la maison, on a plein de place. Vous êtes très gentil, mais je veux pas vous déranger. Ah ben, vous dérangez pas du tout. Allez. Bon, très bien. Le temps que je prends mes affaires, j'arrive, OK? D'accord. Je vous attends. Vous faites de la méditation transcendantale. C'est Magali, tu as vraiment raison. S'occuper de soi, ça décontracte. Gérard, le rose te va très très bien, mais tu crois que c'est vraiment nécessaire? Mais si ça lui fait plaisir, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Puis tu sais, pour un homme, une belle peau, c'est important. Tu as raison, c'est vrai. Dis-moi, toi, t'en as pas assez de te crémer dans tous les sens? Ben non, pourquoi? Je sais pas, moi à ta place, j'aurais peur de ressembler à un gros pot de crème. Écoute, passer en revue tous les jeunes hommes qui ont hanté ma jeunesse, ça me déprime, c'est pas du tout mon truc. D'accord. Ah, moi aussi. Quelle horreur. Bon, dis donc, Magali, le concombre, là, j'en fais quoi, moi? Attends. Je vais t'aider. Mais Claire, alors... au fait, elle est pas là? Non. Elle est partie méditer dans sa chambre. Oh, bah alors elle s'est endormie. Bon, j'ai une petite faim, moi. Mais vous voulez que je vous prépare à déjeuner? Oh bah, tu sais cuisiner? Bah bien sûr. Et en plus, j'adore ça. C'est vrai, ça te dérange pas? Parce que sinon, on grignote, tu sais. Non, non, ça y est, hors de question de grignoter. Vous allez voir, je vais vous préparer un bon petit plat, une recette à ma maman.
Vous allez voir les filles, on va se régaler. Oh, super. Merci, Gérard. Ah, c'est tellement bon de bien manger sans rien faire. C'est fou ce qu'elles sont douces avec cette crème. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi? Rien? Pourquoi? Coiffée, maquillée, habillée, pomponnée, lavée? Mais t'appelles ça cocooner, toi? Ben, je sais pas. Tout d'un coup, j'ai eu envie. Ah, tu vas pas être très à l'aise comme ça. Mais vous savez, les filles, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Oui, t'as raison. Si ça te stimule pour faire le lotus... Qu'est-ce que c'est que ça? Un coup de sonnette. Vous attendez quelqu'un? Sûrement pas. T'as vu notre tête? Enfin, surtout la tienne. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais ouvrir. Mais attends, t'es folle? On peut pas se montrer comme ça. Ben non, c'est pour ça que j'y vais. Ah non, Claire, non. Pour une fois qu'on est cool, laisse sonner. Ah, je suis désolée, mais on insiste. Excusez-moi, j'ai sonné deux fois. Je n'étais pas sûre que ça marchait. Si, si, ça a marché. Ben, entrez, je vous en prie. Je vous dérange pas, c'est sûr. Non, non, pas du tout. C'est vraiment gentil de m'offrir votre hospitalité. C'est Marc, il est terrible quand il a une idée dans la tête. Ça y est, les filles, encore deux petites minutes et ce sera prêt. Un homme. Un homme! Daniel! Ah, celui-là, il est jamais là quand on a besoin de lui. Hein. Je commence à avoir l'habitude. Alors, la lampe. Je vais la mettre là. Là, c'est parfait. Là. Te voilà, toi, t'étais où? Chez les voisines. C'est ça, chez les voisines. Oui, chez les voisines. Elles m'ont invité à travailler chez elles. Tu sais, ici, avec tout le bruit. Tu sais que t'es un excellent comédien, hein? T'as failli me faire marcher. Marc, je t'assure, j'étais chez les voisines. Claire a sonné à la porte pendant que tu étais en train de percer au mur. Ouais. Et moi, j'aurais rien entendu. Fiche-toi de moi. Alors? Comment tu trouves? T'es sidéré, hein? Alors là, ça? Mais c'est un peu brouillon, non? Ah non, moi je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Ah oui? Et la table devant le canapé, c'est pas forcément pratique, hein? Ouais, mais je peux pas la mettre ailleurs. Autrement, impossible de mettre au milieu la bibliothèque. Mais si on ne peut pas s'asseoir sur le canapé... Ah ben si, on peut s'asseoir. Regarde, je m'assois. Bon d'accord, on peut pas s'asseoir. Ah, tu vois, moi je sais reconnaître mes torts. Quand t'as raison, t'as raison. Mais c'est pas difficile, hein, je vais le mettre ailleurs. Sous l'escalier, il suffit de le couper en deux. Ça peut-être attendre, non? Non, moi quand je commence quelque chose, je le finis. Non. Bon alors, tu voulais quoi? Mais rien, te prévenir que si tu me cherchais, j'étais chez des voisines. Daniel, j'ai déjà dit que je ne marchais pas. Ah, laisse-moi, moi je travaille, moi. Bon, d'accord, d'accord, comme tu veux. T'as pas une scie sauteuse? Daniel, Claire le fait à merveille. Moi? Pourquoi moi? Oui, toi. Tu as eu une tellement bonne idée d'inviter Daniel. Oui, comme ça, sans nous prévenir. Ouais, je vous dérange peut-être? Oh, mais pas du tout. Claire va se faire un plaisir de vous le faire, ce café. Bon, Daniel, ne vous inquiétez surtout pas. Je reviens tout de suite. Excusez-nous pour tout à l'heure. Non, c'est moi qui suis désolé, hein. Je pensais pas vous surprendre comme ça. J'ai tellement honte avec mon masque. Vous avez dû me trouver monstrueuse. Non, Magali, hein. Il vous faudrait beaucoup plus qu'un masque pour vous rendre monstrueuse. Bah voyons. Pas comme Gérard, hein, le pauvre. Ça, je dois dire, j'ai jamais vu quelqu'un quitter l'appartement aussi rapidement. Oui, ça. Mais vous êtes bien, Daniel? Vous voulez pas un petit coussin encore? Oui. Non, ça va, je suis bien, je suis très, très bien. Je commence même à trouver que Marc a eu une excellente idée de vouloir transformer l'appartement. Voilà, Daniel, votre petit café est là. Déjà? T'as fait l'instantané, c'est pas possible. Oui, je sais faire très vite, quand je veux. Sucre? Merci. Bon, je crois qu'il faut que je me mette au travail, hein? Déjà? Oh, quel dommage.
On peut peut-être vous aider, comme ça vous irez plus vite. Non, mais je peux pas vous imposer un travail aussi fastidieux un samedi comme ça. Non. Mais si, voyons. Allez, allez, plus vite on va s'y mettre, plus vite on aura terminé, et on pourra passer à autre chose. Très bien. Ben voilà un appartement qui leur ressemble. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? 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 Ben c'est vrai, il allait faire un tour. Tu parles. Je suis sûr que c'est du bidon, son histoire de boulot. C'est juste pour se rendre important, ça. Je me demande si on la voit bien. Ouais. Ça, c'est pour la peine. Après tout le pot, c'est quand même son appartement. Hein. Ouais. Ben, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les filles. Faut peut-être mieux que j'aille les chercher. Ouais. Voilà. Je crois qu'il est exactement à la bonne température. Merci, Fanny. Ça va? Je ne masse pas trop fort? Ah non. Merci, c'est délicieux. On a bien fait de vous aider. Comme ça, on a tout notre temps. Non, mais j'ai vraiment peur d'abuser. Hein. Mm. Oh, mais pas du tout. J'y vais. Ça doit être Gérard. Bonjour, c'est moi. Ah, c'est vous. Oui. J'espère que je vous dérange pas. Non, enfin, c'est-à-dire... Parce que je suis juste venu vous offrir un verre, ou deux. Si oui. Vous Bah, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Oh, Marc. Mais tu vois, Marc, je t'ai fait marcher.